Bah oui, mon gars, mais elle est pas là, ma mousse. Putain, mouette, franchement. Qu'est-ce que tu fais avec un portable? Eh ben, je l'ai trouvé ce matin, dans la rue. Bah, réponds, ça nous renseignera sur le propriétaire. Allô? Allô, Moumous? Ah non, je suis désolée, monsieur, c'est une erreur. Comment ça, une erreur? Mais c'est pas possible d'être aussi con. Oui, allô, chérie, c'est Moumous. Je suis chez toi, je t'attends. Dès que t'as ce message, tu viens vite. Hein. C'est bon, posez ça, allez. Bonjour, madame Agatini. Là, ils vont douter quelque chose. Mais non. Comment c'est? Je t'ai attendu toute la nuit, qu'est-ce qui s'est passé? Mais il faut que tu m'aides, je sais pas comment faire. Faut partir, sans un mot. Oh, bah une lettre quand même, non? Bon, faut que ce soit court. Mon chéri. Mon chéri. Ah bah oui, ah bah non, je pars. J'ai rencontré un homme que j'aime plus que tout au monde. Dis pas que tu l'aimes plus que tout au monde, tu le tortures là. Là, il reste plus que je pars, alors c'est sûr ça va pas lui faire trop de mal, il va croire que je suis partie chercher le pain. Mais qu'est-ce qui se passe? Maman, papa, il y a un accident. Un accident mortel. Oh là là, il est blessé? Mortel. On est là, maman. Mais le chien va bien. Et ça fait toujours plaisir. Choc, mais qu'est-ce que tu racontes? Je suis pas sous le choc, je te dis que je ressens rien. Je ressens rien parce qu'il y avait rien. J'ai fait une paella. Vous avez bien fait, Nicole. Tu mettrais du vernis à ongles, toi, le jour de ma mort? C'est arrivé si vite, j'arrive pas à y croire. Ben, je vois. Tu te fiches de la mort de mon frère. Je vais faire des courses. Non, je t'en supplie, repose-toi. Comment ça, il te laisse pas sortir? Juste un petit peu de pain. Écoute, je peux plus faire un pas toute seule. Qu'est-ce que tu fais là? C'est que je... T'as besoin de me parler? Oui, enfin... Tu veux que je dorme avec toi? Comme quand j'étais petit? Ah non, quand même pas, non. Oh là là, mais vivement ce soir qu'il s'en aille, j'en peux plus d'être surveillée comme ça. Bah justement, maman, on part plus! Comment ça? Je vais rester encore un petit peu, moi aussi. Qu'est-ce que t'en penses? Je te dis qu'on va enfin vivre ensemble, et toi tu t'habilles et tu t'en vas. Tu prends des décisions et tu penses à moi. Mais tu oses me dire que tu es ma vie, tu es mon souffle, mais tu as le souffle court, mon amour. Et si tu n'existes pas, dis-moi comment j'existe. Jure-moi, comme on dit des conneries. Jure-le-moi. Je suis désolée, je ne peux pas faire autrement. Ta mère est encore jeune, elle peut refaire sa vie. Toute sa vie, c'était papa.